sollicité et guérir de vous cette entrevue. Nous vous en remercions. Notre structure, c'est une structure créée sur les bas en rapport avec la pandémie coronavirus et nous avons un souci. Nous avons voulu partager cela avec vous. En fait, nous souhaiterons que le gouvernement, à travers vous, le patron du ministère de la Santé, puissiez aussi nous charger dans le domaine de la sensibilisation par rapport au coronavirus. Mais avant de continuer l'excellence avec votre intervention, je voudrais solliciter, si vous l'acceptez, que mes chers collègues qui sont avec moi puissent se présenter autour de vous, parce que nous représentons un grand nombre des chaînes de télévision, de radio, de presse écrite, mais aussi du net qui sont ici. C'est juste une pochette que nous avons retenue pour cette entrevue. Nous sommes là plus ou moins au nombre de 18. Alors, rapidement, chers collègues, Son Excellence, nous savons qu'il a plusieurs occupations. On va y aller de ce côté. Chacun se lève, le prélèvement, et ainsi de suite, vous présentez votre nom, l'organe, mais aussi l'émission que vous présentez, si ça passe à quelle heure. On sait que c'est pas ça qui fait ça. Nous sommes à Kinshasa. Il y a un certain relâchement par rapport à la communication. La perception de la population est telle qu'on ne sent pas que le coronavirus est vraiment un dégât qui va venir. Sous d'autres cieux, c'est vécu de manière un peu plus sérieuse, c'est un peu plus concentré. Ici à Kinshasa, on s'est dit que nous, on veut faire quelque chose. Nous voulons que le gouvernement nous charge de cette mission au travers de nos émissions, comme cela vient d'être dit à travers la présentation de nos chers collègues. Si, avec votre autorisation, vous acceptez de nous charger officiellement pour que nous accompagnions également le gouvernement, notamment par l'entremise de votre ministère, à travers votre personne, pour que la population kinoise soit assez sensibilisée sur cette pandémie. C'est une émission souvent diffusée et présentée dans deux langues, français, surtout lingala aussi, surtout. Et nous avons déjà vu les artistes de l'émission ont été approchés. Ce qui est tout à fait normal, ça a toujours été le cas quand il y a des événements dans notre pays, des élections, mariages, les obsèques, les artistes d'édition ont toujours été de tout le temps avec le gouvernement, mais nous aussi, nous voulons aujourd'hui participer. C'est une sorte de sacerdoce aussi à notre niveau. Nous avons besoin de ce public-là pour nous suivre d'abord. Nous avons aussi de ces publics-là sur en bonne santé pour être aussi nos invités dans les émissions. C'est pourquoi nous sommes, Ses Excellences, pour vous demander de manière solennelle de nous mettre dans ce programme d'urgence que le gouvernement prévoit pour la sensibilisation de la pandémie coronavirus. Et vraiment, cela s'accompagne de plusieurs moyens, tant financiers, humains, matériels. Et dans les heures possibles, il y a Rémo qui est en train d'être préparé, en fait, qui sera remis à Son Excellence dans quelques heures. Il y a aussi un des membres de cette structure, la personne de Paul Mugeli, qui est de cette structure, qui s'explique parce qu'il a envie de préparer une grande émission en rapport toujours avec le coronavirus. Et je le sais, nous savons, vous êtes l'invité spécial en fait de ce qui est en train d'être préparé par Paul Mugeli en tant que porteur dans les prochaines heures. Lui-même vous fera la preuve de ce qu'il prépare parce qu'il est vraiment au forum avec ses producteurs. Voilà, Excellence, en quelques mots. Le pourquoi de l'entrevue que nous avons sollicité au télé de vous pour vous parler de notre préoccupation. Nous voulons que le patron du ministère de la Santé, que vous êtes le père Etienne, puissiez nous charger, nous, les producteurs culturels, à travers nos émissions pour sensibiliser la population. Donc voilà de ce que nous avons comme préoccupation. Je vous remercie. Une d'entre vous que je connais et que je vois pour la première fois, je vous vois souvent à la télé. Et je confirme que vous êtes le leader d'opinion parce que je connais les niveaux de la musique dans notre pays et à l'extérieur du pays. Et les gens vous suivent beaucoup. Et je voudrais profiter de votre position dans la communauté pour que vous puissiez nous aider. Donc, quand j'ai été contacté, je n'avais pas hésité, je me suis dit, voilà, il faudrait qu'on se rencontre et qu'on se parle. Nous sommes dans une... Nous sommes en guerre, comme le président de la République l'a dit.
guerre contre un ennemi invisible. C'est une guerre non conventionnelle. Et tout le monde doit s'impliquer. On est tous congolais, chacun avec ses capacités. Et nous voulons faire appel à toutes les capacités que nous avons ici au Congo, notamment aux capacités de chroniqueurs de musique. Vous recevez deux musiciens qui sont eux aussi leaders d'opinion. Vous êtes suivis, souvent c'est les dimanches ou pendant le jour de la semaine le soir. Vous avez de l'audience. Je voudrais commencer donc ce partenariat avec vous pour qu'ensemble nous puissions nous lancer dans cette bataille, dans cette lutte contre le coronavirus. Quand j'ai, il y a quelques jours, je me rappelle encore, c'était le 10, quand je parlais de cette maladie ici au Congo, j'étais contredit par tout le monde. Pourtant, je savais que c'était une maladie qui nous guette. Et par mon expérience dans le pays et au niveau international, j'ai géré beaucoup d'épidémies dans d'autres pays aussi. Et moi, je savais que cette pandémie qui avait commencé à partir de la Chine et qui a après l'Asie qui a atteint l'Europe, je savais qu'avec tout le trafic des avions que nous avions, ça devrait nécessairement, si on n'était pas préparé, nous envahir ici. Nous venons d'être reçus par Son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé. Nous sommes une jeune structure qui regroupe les journalistes chroniqueurs de musique. Nous avons été reçus par le Ministre de la Santé en rapport avec la pandémie coronavirus. Il était tout à fait de bon aloi que Son Excellence nous accorde toute son attention parce que notre vision, notre option en fait, c'est d'accompagner le gouvernement dans cette sensibilisation de la lutte contre le coronavirus. C'est pourquoi Son Excellence a tenu à nous recevoir et nous a écoutés. Nous lui avons fait part de nos différentes propositions au regard de ce manque de communication qu'il y a entre les gouvernants et la population
qui se trouve à travers le pays, alors le pays, surtout Kinshasa, où nous sommes basés, où nous avons nos émissions, où nous travaillons. Nous avons un public qui nous suit et Son Excellence a vraiment compris l'opportunité de cette démarche. Il a accepté de nous accompagner. Évidemment, cela va se faire à travers un mémo qui lui sera déposé incessamment, où nous allons petit à petit chiffrer et déterminer ce que nous voulons faire. Mais le pourquoi de notre rencontre, c'était que le gouvernement puisse nous charger. Nous, les journalistes culturels du Congo, regroupés au sein de cette structure créée sur l'État par rapport à cette pandémie, pour accompagner le gouvernement, pour accompagner Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la lutte contre le coronavirus. Et jusque-là, nous faisons croire que le ministre de la Santé, Dr Étienne de Mondo, a répondu à nos attentes et la collaboration vient de commencer avec le ministère de la Santé. Le ministre a été souple, il a été ouvert, il a beaucoup apprécié cette rencontre. Il a estimé que s'il est tout à fait vrai, il y a une tranche de la population qui suit nos émissions, qui se passe souvent en Lingala. Vous savez, les artistes et musiciens de tout le temps, tout ce qui se passe dans nos pays ont toujours été accompagnés par des chansons. Quand il y a les obsèques, quand il y a les élections, quand il y a les grands événements, l'apport des musiciens a toujours été beaucoup. C'est pourquoi nous qui accompagnons, qui sommes en fait des partenaires de ces artistes, était tout à fait normal que le ministre nous accorde son attention. Il a répondu à nos attentes. Déjà, il nous met en contact avec son service de communication pour dans les 2 jours qui suivent, nous puissions déjà présenter nos propositions de manière à ce que le ministère de la Santé nous accompagne moyennant tous les moyens qu'il faut pour que cette sensibilisation se passe comme il se doit. Toi qui bongo, tu as même pas mon condi, ministre Atali Mambi à Bokongo Lanzot, tu peux santé pour na lisolo et nigisi mokule, c'est comme moi qui y a coronavirus. Pour ça, abisso les alertes mon condi, à cause de ça, pour na lisolo en gros, pour le cabotage bongo, que lundi ça va la qui ça, bah la Congo démocratique, na tel que le linga comme il l'engue le na Bokono ou à coronavirus. Tu as l'air à baïke, quand tu n'abisso, mon con à mon cas, la ramoussa les six à zoami, bongo, nandela et à songolo pakala. Quand on sous moi, il obéit que tout en est comme sous poids. Pour ça, la vie sur les alliés, tout dit qu'on a battu les spectateurs, on a mis au bazar, et bien inviter la vie sur Baya. Quand c'est pour te bazar, il faut bazar à Bomoy. Pour bazar à Bomoy, il faut babi l'engele. Bato, ça m'y bé comme le ministère de la Santé, les alliés qui ont pèse en disant de là pour la ligne à comme l'engele à Bokono Boa coronavirus. Mon condi à solo, tout en des boutons de poids en demi qu'on a babiso, à yoki pour ça, abisso, et en demi qu'on s'en gabiso, n'a moi, maïma singeli. Pote lisolo ango eko matena suka te pa balandi babiso pote baye bate to zaine tumba zale tumba ya solo esengeli gouvernement ko bunda ko salama sokasi biso pete ko tia mwa libanga na biso na lisolo ango to tia pe mokonje ko maboko pona ko bunda ko sukisa bokono wana coronavirus mokonje ya biso na sengo apesi biso pe mwa bibundeli. Moi, bibundeli, moi, ma coquille, ma sengeli, moi, ga, moi, ma futa, moi, ma sabuni, pour essayer de salaka, to lendi sabaninga, to sa la paix en go, pour na ko longa, et tumba ya bokonoana ya coronavirus. La taratina, tu as même pas mon condé ministre de la Santé, mon ganga, et te ni longo. Merci.